Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Il y a Christelle qui est en train de se préparer tout doucement. Alors aujourd'hui c'est un live, allez connectez-vous, voilà vous êtes déjà une cinquantaine. Donc aujourd'hui j'ai décidé, vous voyez il fait super beau dehors, je suis même en short là. Les beaux jours arrivent, on est en t-shirt tranquillement, on est dimanche matin. Et ça c'est une demande que vous m'avez fait plusieurs fois. Rafa, on adore cuisiner avec toi le dimanche matin comme ça. Et donc, j'essaie de vous proposer toujours des idées un petit peu différentes. Donc, la dernière fois, on avait été voir Maureen en Allemagne. On a déjà vu Lourdes donc avec de la cuisine péruvienne. On a vu Baruro avec la cuisine mexicaine, les tlayudas. C'était vraiment super. On a été au Québec aussi. On a vu Pat Lavoie. On a vu Alex Turcotte. On a vu Pat. Enfin, voilà, plusieurs personnes. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'une histoire donc avec Christelle. Donc, Christelle, c'est une blogueuse qui m'avait déjà posé une question. Alors voilà, la honte, je lui avais pas répondu tout de suite. Et après, je l'ai vu à un événement pour un restaurant, pour l'ouverture du restaurant Malakaltaouk. Donc, on va dire, c'est de la sandwicherie libanaise. C'est vraiment très, très bon. Je vous invite à y aller. Notamment la crème d'ail. Il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo là-dessus parce que c'était vraiment super. Et donc on a discuté, puis son mari est fan de barbecue, donc voilà, on discute vraiment bien. Et puis moi j'adore ce qu'elle fait sur Insta, sur sa page Facebook, sur son blog évidemment, les photos sont super belles. Et tout simplement, je vais vous demander d'accueillir Christelle qui va être juste ici. Salut Christelle, comment ça va? Hey, attends, regarde, t'es ici. Salut Christelle, comment ça va? Ça va. Donc, je disais, je vous accueille avec mon couteau. Mais oui, parce qu'on est chez toi. Et puis, les gens sont chez moi. Voilà, tu vois, là, il y a 150 personnes qui sont invitées chez nous, comme ça, tout simplement. Voilà. C'est ça. Allez. Ça fait plaisir. Comme d'habitude, vous me dites si vous recevez bien au niveau de la technique. Normalement, Christelle a une super connexion. On avait testé ça hier. Bonjour à tous. Salut, Rafa. Les Barbecue Way of Life sont là, tout le monde est là, ben voilà, écoutez, on est tous là en ce dimanche matin pour venir cuisiner avec toi Christelle, donc du blog L'Atelier de Christelle. Allez, présente-toi un petit peu. Alors en fait, moi je m'appelle du coup Christelle, comme le nom de mon blog, voilà, L'Atelier Christelle. Et au départ, en fait, l'atelier, c'était l'atelier de l'artiste, parce que je suis une artiste, donc pour ceux qui iront voir mes photos, vous comprendrez en fait que plus que la nourriture, j'aime raconter une histoire. Et au travers de mon blog, justement, je raconte l'histoire de mon pays, notamment l'île Maurice, et aussi un peu de mes voyages, de mon vécu en France. Et en fait, je trouve ça beau en fait de pouvoir fusionner un petit peu toutes les recettes, et puis ce qui est important pour moi avec la cuisine de mon pays, c'est vraiment l'authenticité, mais aussi la rapidité. Donc, j'essaye de travailler sur des recettes qui soient pratiques, qui soient faciles à faire, mais toujours avec le goût authentique. Donc, si je comprends bien, ce sont des recettes que l'on peut refaire facilement. Donc là, tu nous as fait trois recettes pour aujourd'hui. Mais aussi, quand tu me dis avec ces mélanges, etc., la cuisine mauricienne, à la base, c'est beaucoup de mélanges, hein, il me semble. C'est ça, exactement. En fait, à l'île Maurice, il y a aussi bien des Indiens du Nord, du Sud. Du coup, la cuisine est différente hein, entre la cuisine du Nord et du Sud. D'accord. Moi, ma famille est plutôt du Sud de l'Inde, en fait. Les Tamouls. Ça voilà, les tamouls, voilà exactement. Ensuite, il y a les Chinois. Ouais. Donc, et c'est particulier, en fait, c'est une communauté, ça s'appelle les Hakka, et la cuisine Hakka est très, très, très bonne. Voilà. Okay. On a aussi donc les Français, en fait, de l'époque, puisque l'île Maurice, à un moment, ça a été français, puis c'est devenu anglais, et ça a pris son indépendance en 1968, plus précisément. Donc, c'est pas si vieux, hein, finalement. Non. Et du coup, on a voilà, des mélanges aussi avec l'Afrique, tout ce qui est créole et tout ça. Et finalement, il y a même des recettes parfois qui ont des noms français. Mais au final, ça a été refait à l'époque avec du gingembre ou de la coriandre. Donc, on a la daube, par exemple. Il y a la daube de Provence. Donc, génial. Mais au final, c'est pas la daube de Provence. C'est une daube qu'on s'est appropriée avec… avec vraiment nos produits locaux. Voilà, la culture locale, en fait. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses comme ça.
Alors, moi, l'île Maurice, écoute, j'y suis jamais allé. Parce que la seule chose que je sais, c'est que c'est un peu hyper accueillant. Tout simplement, voilà, moi, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé au Club Med, ou sinon, je suis parti en vacances dans les bateaux de croisière, etc. Et à chaque fois, au service, ils mettent les Mauriciens, parce que c'est vraiment des personnes, mais qui sont super serviables, super accueillants. Enfin, vraiment, c'était super bien. Alors, du coup, nous, quand on avait fait la croisière dans les Caraïbes et tout, on était super contents parce que du coup, il y avait un Français qui nous disait « Arrête-toi à cet endroit-là, fais pas ci, fais pas ça ». Donc voilà, j'avais vraiment apprécié. Puis voilà, ça me donne vraiment envie d'y aller. Mais aujourd'hui, on va voyager avec toi à l'île Maurice. Alors, présente-nous un petit peu les recettes. Alors en fait, là, on va faire une grillade d'agneau. Il faut savoir qu'à l'île Maurice, pour les occasions spéciales, les réunions de famille, quand je dis occasion spéciale, ça peut être le lendemain d'un mariage, un brunch ou n'importe quoi. On adore se réunir sur la plage et faire des barbecues. Ouais. Et en fait, on fait des grillades, que ce soit de saucisses, d'agneau, de poulet, de poisson. Le plus commun, en tout cas, ça reste agneau, poulet et j'avais dit le troisième... Et saucisse, c'est ça, voilà. Et les poissons, c'est souvent pour les touristes, en fait, quand tu vas faire une promenade en bateau, là, on te fait des grillades de poissons, de langoustes, tu vois, des trucs comme ça, voilà. Ça, c'est toujours étonnant. Pourquoi dans les pays insulaires comme ça, on mange pas tellement de poissons, tu vois, que ce soit en Corse ou moi, ma femme est de Sardaigne. Tu t'imagines, son village, il est à 4 km de la mer, il n'y a pas une seule poissonnerie. Donc, on mange du poisson, mais c'est juste pour dire que c'est vraiment un plat haut de gamme, quoi. Il va être frit à la maison, il va être frit, il va être fait en curry, il va être fait en rougail, il va être, on va plutôt le faire de cette façon. D'accord. Et plutôt, si on veut changer de nos habitudes, se poser sur une petite île, tu vois, voisine, et on va aller, plutôt, ça va être haut de gamme, tu vois, la petite grillade de poisson sur la plage. Voilà. Ouais. Donc, on a plusieurs ambiances pour manger des choses. Deux salles, deux ambiances. Et alors, du coup, il va y avoir cet agneau. Alors, moi, j'ai pris des côtelettes d'agneau, mais on va en parler juste après. Il y avait une salade russe. Alors, quand tu me dis, Rafa, on va faire des plats typiques de l'île Maurice. Premièrement, une salade russe. C'est-à-dire que... au niveau de la Russie, on est un peu loin là. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Mais le truc, c'est qu'en plus, salade russe... et puis d'ailleurs, comme plusieurs noms, heureusement j'ai expliqué d'Aube de Provence parce que tu m'aurais vraiment très bien eu avec salade russe. Du coup, il y a des noms comme ça. Il y a la salade russe, même en France, mais ça n'a rien à voir avec la salade russe qu'il y a en France. Ok, très bien. Voilà. Et ça, c'est un plat typique, un accompagnement typique. Il y a des petites, il y a des choses comme ça. Et que nous, en fait, dans notre salade, il y a en général soit que pommes de terre, carottes. Ouais. Ou pommes de terre, carottes et betteraves. Moi, j'ai fait le combo des trois ensemble parce que je trouve que ça va bien. C'est la générosité, c'est le barbecue. Et la troisième recette, un pain à l'ail, donc une recette très, très simple. Tu peux nous en parler un petit peu? En fait, j'ai envie de dire, le pain à l'ail, je l'ai fait évoluer parce que moi, j'aime bien quand c'est bien chargé et tout ça. Ça se voit pas, mais j'ai 15 kilos en trop, mais je sais pourquoi je les ai. C'est parce que... Ton obésité morbide, alors, ne t'en fais pas. Mais en fait, mais après, je sais qu'il y a que des gars qui regardent, vous n'êtes pas forcément concernés par ce que je dis. Mais du coup, là, dans ma recette de base, c'est un pain avec du beurre, de l'ail, de la ciboulette. Mais en fait, on peut rajouter du persil aussi, comme un peu un beurre d'escargot, et avec du fromage, etc. Et du coup, c'est bon quand ça cuit au barbecue, et après ça fond, etc. C'est super, en fait. Bon, en tout cas, vous avez vu, Christelle, c'est nous mettre l'eau à la bouche, c'est vraiment super. Alors, du coup, on va commencer après cette petite introduction. Donc, juste pour dire, non, toi, t'es pas à l'île Maurice, là, actuellement. Ah non, moi, je suis en Normandie. Mais chez moi, c'est l'île Maurice. Voilà. Et il y a la plage aussi. Allez, c'est magnifique. Donc, du coup, ça fait 10 minutes. On est plus de 170 personnes connectées sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, évidemment, que vous avez, si vous voulez découvrir des choses. En particulier, si vous avez des questions sur la sculpture, on pourra peut-être même parler d'endroits visités ou de choses. On commence par quoi, alors, là, ma petite Christelle, explique-moi tout. Alors, on va commencer par faire mariner l'agneau.
Parce okay. que nous, chez nous, on aime bien que justement la viande s'imprègne bien de la marinade. Ça n'existe pas une viande que tu prends, que tu mets comme ça sur la poêle. Ah, ok, d'accord. Je sais pas. Faut toujours faire une marinade. D'ailleurs, on fait même souvent la veille. Mais bon, là, ouais. on va exceptionnellement faire la marinade aujourd'hui. Donc, et comme ça, on fera cuire après, en fin de live. Voilà. Parce que c'est du vrai live. C'est du vrai live. Voilà. Et du coup, ce que je disais, donc là, dans ma recette, en fait, on peut utiliser des côtelettes. Ouais. Des côtes. Allez, là, ta recette, je l'ai mis comme ça, les gens ont accès directement aux ingrédients. Voilà. Et en fait, et aussi, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit mix parce qu'il y a deux recettes sur le blog. Il y a okay. la recette comme ça avec l'agneau en morceaux avec l'os. Et il y a la recette avec aussi du gigot qu'on peut couper en morceaux et mettre en brochette. Alors, explique-nous tout. Alors, on va commencer cette marinade. Alors, du coup, tu as mis 1,5 kg de gigot d'agneau. Moi, j'ai pris des côtelettes parce que tu m'as dit, Rafa, au final, on s'en fiche, on peut les faire en brochette ou on peut les faire en côtelettes. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, on peut prendre n'importe quelle partie de l'agneau, hein, faire cette… Okay. Moi, j'avais fait… parce que ces recettes-là sont aussi adaptables au four. Okay. J'avais pris les souris d'agneau et je les avais cuisinées comme wow. ça. Et c'était super. Génial, c'était fondant et tout, c'était génial. Donc on prend ça et là on va préparer du coup notre marinade. Alors je t'écoute, regarde, j'ai mis les ingrédients juste ici. Alors pour la marinade, on va commencer. Alors j'ai évidemment sur le blog, je l'ai fait d'une façon aussi, je l'ai écrit d'une façon pratique hein, pour que vous refassiez chez ouais. vous. Mais là voilà, comme on disait, c'est du live, je le fais en live. Voilà. On va prendre nos herbes. Je suis ton élève. À toi de nous dire. C'est marqué sur le site. Une demi-cuillère à café de cannelle et une demi-cuillère à café de cumin. C'est ça. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un petit récipient à côté. En fait, on va faire la marinade à part qu'on va venir ensuite appliquer sur la viande. Donc là, en fait, vous voyez, moi, j'ai toutes mes herbes comme ceci, là. J'ai tout préparé. On va prendre de la coriandre et de la menthe fraîche. Ouais. Voilà. Et on va hacher les deux. Donc, pour la menthe, en fait, si les branches, elles ne sont pas trop grosses, en fait, le haut, on peut même hacher les branches, hein, le haut des branches. C'est juste le bas, en fait, qui est dur, on va l'enlever, en fait. OK. Comme ça. Ah, normalement, si je fais ça… Et aussi, il y a une voilà. autre technique. Là, comme ça, normalement, on me voit bien. Ouais, et puis il y a une autre technique aussi pour les paresseux, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un récipient comme ceci, mettre tous les ingrédients dedans, genre l'huile, les épices et tout, et mixer en fait. Mais bon, moi j'ai envie de le faire comme ça, un petit peu, voilà, cuisiner avec vous, couper mes ingrédients. Alors, comme là, vous voyez en dessous, là, ce sont mes mains, juste ici. Donc, je prends la menthe et donc, je vais lâcher. Alors, j'ai fait une recette récemment, justement, de côtelettes d'agneau avec une chimichurri à la menthe. Et voilà, le petit conseil pour ceux qui n'ont pas vu, quand vous hachez la menthe, ne le faites pas trop, parce que sinon, c'est comme sur le mojito, ça peut vite avoir un goût de gazon, en fait, donc d'herbe tondue, c'est pas très très bon, donc il faut que ce soit fait quand même assez grossièrement. C'est pour ça d'ailleurs que sur le mojito, je vous ai dit, on met le sucre, la menthe et le citron, et en fait, on va venir écraser le citron sur la menthe, et on oui. n'écrase pas directement la menthe, parce que sinon, ça va donner ce goût de gazon. Quoi. Ok, donc là, j'ai coupé ma menthe, je la mets dans le petit récipient. Bah, hein. D'ailleurs, c'est exactement, en fait, c'est très bien que tu dis ça, parce que tu vois, dans la version mixte, ben, je trouve que la marinade, elle est moins bonne, tu vois. D'accord. Et en fait, j'aime bien du coup couper. Donc là, moi, je suis en train aussi de faire pareil pour la coriandre. Donc la coriandre, c'est pareil, je mets les tiges hein, parce que pour ceux qui jettent les tiges, c'est dedans qu'il y a le goût en fait. Ouais, alors attends, du coup, ma petite commis qui était là n'a pas fait ça, alors je vais le prendre. Elle est plutôt comique du coup. Voilà, elle m'avait oublié, mais c'est pas grave. Écoute. Donc là, on est sur… Alors, on va arrêter le partage, mais du coup, on était sur 11 grammes de menthe et 11 grammes de… C'est ça. Hein. Donc, pour vous situer un petit peu,
enfin après ça dépend où vous êtes. Moi je sais que j'ai des grosses bottes de menthe et coriandre en fait. Ouais. À l'époque quand j'avais écrit la recette, c'était surtout tu vois les paquets de d'herbes florettes là, les trucs ouais. qui se vendent un peu partout. Bah ça fait 11 grammes en fait et c'est pour ça que j'étais partie sur un paquet de chaque. Okay. Voilà. Que parfait. Tout le monde n'a pas des magasins. Alors ensuite, du coup, j'ai mis la menthe, j'ai mis. Christelle, j'ai mis la menthe, j'ai mis. Là, je suis en train de couper ma coriandre. Ouais. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute alors ? Bah, en fait, on va le mettre dans le petit récipient, tu vois, comme ça là. Ouais, ouais, c'est bon. Comme ça. Le miel, on va le faire un petit peu fondre au micro-ondes, tu vois, pour qu'il devienne liquide. Parce que sinon, après, il va être trop dur et on ne va pas pouvoir le manipuler. Donc là, c'est pareil. Je vais prendre un petit bol comme ceci et ensuite, je vais mettre du miel dedans. Donc, il me semble que dans la recette, j'ai mis 2 cuillères à soupe de miel. Oui, c'est ça, exactement. 2 cuillères à soupe. Alors, du coup, moi, c'était là-dedans. Alors, je vais le mettre là-dedans et je vais faire chauffer. Tac. Donc, après, pour ceux qui ont du miel liquide, évidemment, hein, c'est plus facile. Alors, moi, il n'est pas totalement compact, mais il n'est pas non plus très liquide. Donc, je préfère le faire fondre, en fait. Oui, on va le mettre 10 secondes au micro-ondes. Ça va suffire. Alors, oui, mettez surtout pas 30 secondes parce que ça va partir en ébullition. Ouais, c'est clair, tout de suite. Ok, ensuite, alors du coup. Et ensuite, on va rajouter du coup les épices. Donc, le cumin et la cannelle. Voilà, regardez, c'est déjà fait. Regardez, ici. Voilà. On voit qu'il est bien liquide, là. Voilà. Alors, je vais prendre le miel. Ensuite, tu étais sur une demi-cuillère à café. Ouais, et là, regardez-moi aussi, le miel, il est bien liquide. 2 cumin et une demi-cuillère à café de cannelle. Voilà. Donc, on va les rajouter. Hein, regardez, elle est ici. Tac. Parfait. Alors, juste pour la fin, quand même, je voudrais dédier cette recette à ma mère parce que c'est la recette de ma mère, en fait. Voilà. Oh là 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 là. Quelle chance on a. et à chaque fois, ma référence, en fait, pour beaucoup de choses, si ça n'a pas le goût de ma mère, de ce que fait ma mère, c'est que ce n'est pas bon, en fait. Ouais, ça rappelle des souvenirs, tout ça, d'enfance. C'est génial. C'est ça la cuisine. Ok, alors, donc voilà. Et du coup, là, maintenant, vous allez prendre en fait donc des gousses d'ail. Ouais. Et en fait, on va les éplucher et ensuite, on va les dégermer. Donc, on va enlever le germe. Alors, le germe, c'est une question de santé, de digestion, etc. Mais c'est aussi une question de goût, en fait. Parce que tu sais, ça fait le petit goût un peu du gaz, là, le truc un peu passé, tu vois. Du coup, c'est bien de l'enlever, en fait. Donc là, sur ton site, c'était marqué qu'il fallait 4 gousses d'ail. Hein. C'est ça. Allez, on va faire ça alors. Après, ça dépend de la taille des gousses d'ail. Hein, mais moi, là, tu vois, j'en ai une grosse qui fait au moins 2. Donc, ouais. Je pense que je vais en mettre 2. Alors, pour la gousse d'ail, moi, je vais la taper comme ceci. On te regarde. Voilà, et comme ça, elle est déjà épluchée. Génial. Voilà. Ok. Tac. Voilà. Moi, ça, c'est bon aussi. Je le garde de côté parce que je sais qu'après, pour la salade, il y aura aussi de l'ail. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, mais pour la salade, par exemple, vous pouvez prendre de l'ail en semoule, en fait. Ok. Qu'on utilise beaucoup dans le barbecue pour faire nos mélanges d'épices. Hein. Donc, tout le monde en a normalement parce qu'il y en a dans le Sofasco. Voilà, bah du coup, si tu veux, j'ai préparé là pour la salade, en fait, dans ma petite mayonnaise, je vais mettre ça, en fait. Ok. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qui nous reste là, du coup? Alors, on a mis la cannelle, on a mis le cumin, on a mis les gousses d'ail, la menthe, la coriandre. Il va rester le thym, le miel, on a mis, fleur de sel, poivre et un peu d'huile. Et les gousses d'ail, en fait, il faut les presser, du coup. Ouais. Et les mettre en fait dans le petit bol en fait, tu vois, pour la marinade. Ok. Voilà. Du coup. Ouais, c'est ici. Ok. Moi, je vais pouvoir rajouter le thym du coup. Oui, aussi le thym. Allez, on est parti. Moi, j'ai du thym du coup comme ça, j'ai du thym frais.
Évidemment, toutes les recettes sont directement sur l'atelier de Christelle avec un K.com. Je vous mettrai en description de cette vidéo les liens pour retrouver les ingrédients exacts de cette marinade. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir, je vais faire des partages d'écran pour que vous puissiez bien voir la recette. Alors juste le temps que l'on finisse ça, ouais. Je vais vous faire voir. Voilà, donc là, la recette que l'on fait, c'est celle-ci. Donc, je vais diminuer un petit peu. Voilà, donc il y aura l'ail, le dips, là je voulais le faire, mais bon, le houmous d'haricots blancs, ça me donne terriblement envie. Et donc là, regardez la qualité des photos que nous propose à chaque fois Christelle. On parlera de tes photos un petit peu après, parce que c'est vraiment incroyable. Et donc ici, vous avez l'ensemble des ingrédients qui sont marqués. Voilà, directement ça, et on va faire le... beurre à l'ail tout à l'heure. Et voilà, ouais. On retrouve juste ici notre ami Christelle. Et est-ce que tu as du coup pressé tes goustailles là ou pas? Oui, c'est bon, je les ai écrasées là. Ouais, t'es rapide. Ouais, j'en avais déjà fait, mais moi, mes commises ont déjà travaillé sur ça. Ah, bon. D'accord. Bah, écoute, moi, entre gérer mon fils ce matin... Voilà, parce que ce matin il voulait faire des cookies, alors j'ai fait des cookies juste avant le live, tu vois. Voilà. Donc, génial. Et du coup, on a mis ça, on va rajouter du coup alors, le pain, un peu de sel, de poivre et de l'huile. Hein. Alors, oui, super important parce que la question qui revient systématiquement pour les marinades. Parce que je sais pas pourquoi le mot huile fait peur. De mon côté, du moins. Du côté normande. Non, et puis je sais pas, c'est féminin peut-être parce que c'est la question qui revient souvent des femmes. Ouais. C'est souvent, est-ce que on doit forcément mettre de l'huile parce que tout de suite c'est plus gras ou quoi? Mais oui, l'huile ouais. C'est super important pour que la marinade en fait puisse pénétrer dans la viande et il faut absolument qu'il y ait un corps gras en fait. C'est pas ça peut pas être autrement, en fait, voilà. Alors, du coup, je rajoute ici. Donc, je vais rajouter de l'huile. Il faut que ça baigne, hein. Bah, quand même, un petit peu, pour pouvoir, après, dijonner. Ok. Ah, bah, c'est super, là, je voilà. Pour renverser l'ail dans ce moule. Donc, voilà. Tac, je vais mélanger. Ça sent super bon. Et la menthe et l'agneau, je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps, mais ça marche vraiment du tonnerre. Hein. C'est vraiment super bon. Ok, fleur de sel, je viens de mettre poivre du moulin, c'est parfait. Ouais, et on va pouvoir mettre tout ça dans un grand bac, du coup. Je vais rajouter ça. Je vais remettre un peu d'huile de mon côté. Je vais remettre de la fleur de sel, hop, comme ça. Voilà. Et c'est fou Arnaud qui me dit mets de l'huile que je t'ai envoyé. Rapha, il m'avait envoyé ça de Corse. Il y a déjà plus rien. Il y a déjà plus rien. Tu sais qu'on mange ici. Vous voyez là, du coup. Ouais, regarde. Ouais, ça ressemble à ça. Pareil. Voilà. Alors du coup, on va pouvoir le mettre sur l'agneau. Alors moi, la petite technique aussi, c'est que en fait, ça c'est une petite technique. Donc. Je vais faire des petites entailles comme ça. Ah, ok. Et comme ça, la marinade, en fait, elle va rentrer dans la viande. Ok. Oui, ça augmente la surface de contact entre la viande et la marinade. C'est pas mal ça, comme astuce. Ok. Donc moi, je finis la marinade ici. Et bah, je vais pouvoir tout mélanger. Hein. Ok. Voilà. Alors, sache qu'on nous suit d'Angola, de France. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous suivez. Moi, j'adore savoir ça. Alors, il y a même des gens de Saint-Barthélemy qui m'ont dit « Ah ben, Rapha, je pourrais pas te suivre, il va être un peu tôt. » Normalement, il y a les Québécois aussi qui nous suivent. Mais là, ça marche déjà très bien. Vous êtes plus de 150 personnes actuellement à être voilà. En direct avec nous. Je sais pas si vous cuisinez. N'hésitez pas à nous dire si vous cuisinez avec nous, avec les ingrédients que je vous ai dit. Et ensuite, à envoyer évidemment les photos directement en commentaire. Ça va être vraiment super. Hop, allez, je lave un peu les mains. Et du coup, là, tu as mis ta marinade dessus ou pas? Comment? Tu as mis la marinade, toi, ou pas? Ben oui, je suis en train, regarde. Je vais vous faire voir un petit plan. Attends. Tac. Voilà, normalement, là.
Voilà. Ok, bah, allez, à mon tour. Et Voilà, du là on voit coup, bien. côté. Magnifique. Donc là, j'ai fait des petits morceaux, comme ça, je vais aussi en mettre en brochette, comme ça, je vais avoir. Voilà. Et là, je vais m'agacer avec les doigts, comme ça, pour que ça s'imprègne. Et du coup, ce qui est pas mal avec cette marinade, c'est qu'elle n'est pas trop. Elle n'est pas trop forte en goût. OK. Et du coup, c'est juste dosé normalement comme il faut en épices. Et ça, c'est parfait parce que l'agneau a déjà beaucoup de goût. Ok, regarde, même Mais l'oignon l'oignon va aussi, y hein, je te le confirme. répondre. Voilà. Allez, nickel. Du Bien. coup, pendant que ça marine, ça, Christelle, Ouais. refais-nous voir ta petite tête pour que les gens te voient. Juste pour vous dire, donc on est avec Christelle, donc de la blogueuse de l'atelier de Christelle. Allez voir son Instagram. Allez liker, vous allez voir, les photos sont vraiment magnifiques à chaque fois. Tu nous en diras un mot tout à l'heure pendant la cuisson de tout ça. C'est dit. Hop, ok, ça, on va bloquer deux, trois petites personnes. Voilà, il y a les... Il y a les haters qui arrivent, il y a les faux profils, Ah oui. machin, voilà, donc voilà, on est obligé de faire tout ça. Ok, bon ben parfait. Du coup, on va commencer notre salade russe Oui. maintenant, hein. À chaque fois que tu dis salade russe, ça me fait rire, en fait, du coup. Ah, mais moi aussi, j'adore. Salade russe, alors que oui, parce que je vous ai présenté Christelle, mais évidemment spécialiste de la cuisine mauricienne avec une salade russe. Vous avez compris, il a expliqué pourquoi en début de ce live c'était comme ça. C'est dû à l'influence, à l'immigration qu'il y a eu un petit peu partout. Donc on a dit africaine, asiatique, européenne, enfin voilà, il y a de tout. Et généralement quand c'est comme ça, c'est là où ça donne les meilleurs mélanges au niveau des saveurs. Allez, moi j'enfile les gants parce que dans ta salade russe, on va retrouver de la betterave. C'est ça, de Et la ça, betterave, des pommes de terre, patate. une carotte et aussi des œufs comme ça là. Donc ça, c'est les œufs de mes poules. Et d'ailleurs, j'ai une poule qui fait des œufs verts. Ah, génial. Et ben moi Ouais, pareil, c'est les œufs de mes poules, mais celui que j'ai gardé là, c'est celui juste pour tout à l'heure pour la mayonnaise qui va accompagner ça. Et ben voilà quoi, elles pondent bien, c'est la bonne saison. Alors regarde, on nous dit la Bretagne nous regarde, la Belgique nous regarde, la Côte d'Ivoire nous regarde. La Belgique, dans le nord, on a des Côtes d'Armor, on a Nancy, on a Tunis, ouais, génial, on a la Guadeloupe, waouh, c'est super tôt là-bas, partout, donc ça c'est vraiment, vraiment génial. Allez, on va commencer par cette recette de salade russe mauricienne, du coup. Et je vais vous faire voir l'ensemble des ingrédients qui va vous taper salade russe, vous allez trouver très facilement. Donc voilà, c'est ici. c'est ça qui est super, c'est qu'en fait, même si c'est des recettes, tu vois, qu'on va manger, tu vois, à l'île Maurice, c'est que les ingrédients restent vraiment très accessibles, en fait. Ouais. Alors, on prend deux grosses pommes de terre épluchées et coupées en rondelles. Donc moi, je les ai fait hier. Elles sont Et ben, juste moi, là. je les ai fait juste avant le live. Voilà. Donc je prends un saladier et je vais pouvoir couper ça du coup, hein. C'est ça. Donc on les coupe en tranches de quoi? De 5 mm quoi à peu près. Ouais, comme ça, tu vois. C'est pas mal parce qu'il faut pas non plus que ça se casse comme Donc il ça. faut pas qu'elles soient surcuites. Ouais, faut pas qu'elle soit très cuite, faut pas que ça soit de la purée, hein. Ah, regardez-moi, ça donne quelque chose comme ça. Ok, je fais la deuxième. Après, du coup, tu as mis qu'il y avait deux grosses carottes, pareil. C'est ça. Alors juste aussi, je précise sur le blog, j'ai revisité la salade, donc le visuel, c'est un C'est trop visuel beau. typiquement l'atelier de Christelle, mais en vrai, on va vraiment le faire à la bonne franquette et le mettre dans un saladier et tout remuer, D'accord? T'excuses pas d'avoir un beau visuel, ne t'en fais pas. Vous faites comme vous voulez. Après, là, du coup, moi, je vais couper et je vais les séparer pour le moment. En fait, je vais les mettre dans différents bols, comme ceci. Ok, non, moi je fais la vraie parce que tu vois, moi je suis un peu un vrai Mauricien. Donc du coup, je vais faire la vraie en mettant directement les carottes que j'ai fait cuire hier, que j'ai coupées en petites rondelles. Et regardez, je les ajoute ici directement avec la pomme de terre.
Mais par contre, tu devras prendre un deuxième saladier, je pense. Ouais. Parce que, en fait, de base, on commence par la mayonnaise qu'on va écraser du coup avec des jaunes d'œufs et Ouais. on va émincer les blancs d'œufs en fait, parce que dans des Ouais. œufs. Et ensuite, on met tous les légumes dedans et on remue. C'est beaucoup plus simple en fait que de. Ok, d'accord. Ben, c'est pas grave, regarde. Moi, Moi, j'en ai plusieurs, mais en fait, j'ai c'est l'impression pas qu'on a grave, les mêmes, regarde. en fait. Non, mais enfin. Je vais mettre mes légumes, oui, mes légumes ici. Voilà. Et ça, c'est mon bol pour tout à l'heure, alors. D'accord. Alors, je t'écoute. Donc, on a ça, on a ça. Après, on a la deux betteraves que je vais devoir couper, C'est ça, moi aussi. qui sont ici. Donc, après, la betterave, c'est pareil, hein, si vous voulez prendre de la betterave. Là, c'est de la betterave crue, cuite, mais après, vous pouvez prendre de la betterave sous vide, par exemple, si vous n'avez pas le temps, etc. Ça fera Ok. Voilà. Je le mets Alors, moi, j'ai là. doublé la recette en deux, du coup, parce que du coup, je vais aussi refaire un barbecue ce soir. Donc, Ah. j'ai déjà prévu, en fait, Mais de faire des recettes. les betteraves, ça colore grave déjà le reste des ingrédients, hein. Ouais. C'est normal. Complètement. D'accord. Ok. Là, j'entends le chef, là, le couteau du chef, bruit. Non, non, c'est un. C'est YouTube qui tourne derrière. Non, je rigole. Est-ce qu'on a des questions, Rafa? Parce que si Alors, du coup, attends, j'enlève juste mes gants là et on va poser et on va voir les questions. Non, les gens nous disent d'où ils viennent. Rafa, tu peux descendre la caméra. Alors, du coup, comme on voit ce que fait Ah oui. Christelle. Comme ça, moi, parce que moi, c'est plus compliqué si je dois gérer tout ça. Et je ne sais pas pourquoi normalement, ici, j'avais ça, mais ça marche pas aujourd'hui. Donc, bah voilà, quoi, on fait ça en freestyle. Voilà. Attendez, je vais vous faire voir ça. Non, du coup, les gens suivent. Ils adorent. Voilà, et je vais essayer de connecter ça. Donc là, juste, j'ai coupé. Bon, après, c'est juste coupé en 5 mm comme ça. Et les œufs, comment je les coupe, du coup? Alors les œufs, tu les coupes en alors déjà les œufs tu les coupes en deux pour enlever le jaune d'œuf. En Ouais. fait, Ah, tous faut les enlever les jaunes d'œufs. oui, il faut que tu enlèves tous les jaunes. D'accord. Là, je suis en train du pays, quoi, tu vois. Donc tu enlèves et en fait tous les blancs après tu vas les émincer. Alors moi, vu que mes betteraves Et j'émince les blancs. de quoi? Voilà, normalement on va voir ici. Donc j'enlève le jaune et les blancs, j'en fais quoi alors? Et les blancs, tu les éminces finement. D'accord, ok. Là, moi, mes betteraves sont très, Voilà. très Donc là grosses. Donc, normalement vous voyez mes mains, mais ça crée un petit décalage pour moi, c'est pas très agréable. Du coup, voilà, c'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu comme ça, mais oh, je vais pas rester longtemps, hein. Ok, donc ça. Et le jaune d'œuf, on va en faire quoi au final? tu vas l'écraser avec la mayonnaise qu'on va faire. Et en fait, ça va faire D'accord, juste le après. liant Ah, génial! la salade. Ah. Et en fait, si tu veux, moi, juste pour la déco, après, c'est pareil, vu que là, moi, j'avais revisité le truc, j'avais gardé des œufs entiers, tu vois, comme pour les œufs mimosa. Et en fait, après, Ouais. j'avais poché ma mayonnaise avec bah, dans les œufs, tu vois, pour la déco, en fait, tu vois, juste d'où le côté fusion France-Île Non Maurice. mais. Non, non, mais attends, moi je dois partir à la plage à l'île Maurice juste après. Là, je perds pas du temps à pocher, hein. Laisse-moi tranquille à la plage. Bon, je t'invite chez moi en Normandie si tu veux. Voilà. Ça sera moins long. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu la plage, mon Dieu. Voilà, donc les œufs sont ici. Normalement, vous voyez bien. Combien de temps la marinade? Le mieux, c'est une nuit, généralement. Et voilà. Bah Ok, super. qu'est-ce que je Mais fais ensuite? alors ensuite tu vas attaquer les oignons, mais je pense que tu les as déjà coupés, je sais pas pourquoi. Ou non, tu vas les couper, tu vas les Ben couper. non! Je vais les couper là, devant les gens.
Ah, ben moi aussi. Du Ah coup, mince, bah, tu m'as dit du qu'il coup, fallait j'ai décidé mincer les œufs bon, parce que les. je suis en retard, tu vois. Parce que mes œufs, faut dire un truc, c'est que j'avais tout préparé, mais j'avais oublié les œufs. Ah. Du coup, c'est cool, hein. C'est pas Voilà. grave, c'est pas grave. Regarde, moi je vais couper, je vais émincer finement les œufs. Voilà. Alors, les œufs, c'est. Et il Alors, commence. les œufs, généralement, c'est en demi-rondelles. Mais tu peux les faire comme ça si tu veux. Ah, d'accord. Bon. Ok, bah c'est pas grave, on va faire comme ça. Non, mais moi, je te dis, hein, pour autant, tu as Mais dit ils que deviennent déjà tout violets parce que je. mauricien. Attends, parce que ça a bugué ici, donc on va quitter. Voilà. Donc voilà, vous avez vu un peu à quoi ça va ressembler. Donc, je coupe les œufs comme ça. Ah, moi, tu me C'est dis comme les Mauriciens, je fais vraiment comme les Mauriciens. Hein. Ah oui, je fais comme Attends. le tien. C'est hyper important, quoi. Mais en fait, Et pourquoi? oui. Oui, dis-moi. Non, Non, pour. non, je voulais savoir un petit peu. Toi, t'es du sud de l'île, c'est ça? Moi, je suis du centre. Ah, du Je centre. suis sur le, comme Ok. on dit chez nous, le plateau central. D'accord, le plateau central. Et il y a quoi de... Et c'est quoi la grande ville ou qu'est-ce qui est bien à voir dans ce coin-là, alors? Honnêtement, je suis pas dans le coin Non. touristique. Le seul truc Ok. que je peux avoir, c'est le volcan endormi, le Trocer, qui est pas loin en fait. Et Ok. après, je vais vous dire, je suis pas un bon exemple. Ça fait 11 ans que je suis pas rentrée chez moi. Oh, Et du coup, je je suis sais. pas du tout à la page du fait bah, qu'il y a de nouvelles choses qui se sont Mais du créées coup, le en fait. centre de l'île, c'est quoi? C'est plus pour les randonnées, tout ça? Bah non, mais en vrai, le centre de l'île, c'est juste pour habiter. Ah, d'accord. Elle m'a cassé le rêve. Ouais, je crois qu'elle dit ça pour pas qu'on aille chez elle, en fait, tout simplement. Ok. Mais non, mais ce que je dis, c'est que moi, surtout, enfin, à l'époque, si, bah quoi, c'était sympa, tu vois, pour aller faire les boutiques ou des trucs comme ça. Et après, là où j'allais à l'école, c'était Curpip, il pleuvait tout le temps. Ah, C'est l'endroit où il pleut le plus, en fait. ah bon? Bon, bah comme ça rappelle un peu la Normandie. C'est ça. Bon, Et qu'est-ce que je fais c'est de pas en Bretagne, mes... Ouais, c'est clair. Non, mais je dis ça, tu sais, en Seine-et-Marne, c'est pas beaucoup mieux. Qu'est-ce que je fais de mes oignons rouges, là? Alors maintenant, alors l'oignon, il me semble qu'il est gros, non? Ouais. Ben, en fait, tu vas prendre que la moitié et là, tu vas le, ben, l'émincer finement. Ok. En demi-rondelle, toujours. En demi-rondelle, finalement. Ouais. Et après, on va le mettre mariner en fait dans du vinaigre. Alors chez moi, c'est du vinaigre blanc, mais ici, comme j'habite ici, je prends du vinaigre de xérès ou du vinaigre de cidre, Ouais. en sachant que le vinaigre de balsamique, par exemple, ce serait trop fort. D'accord. Voilà. Donc là, moi, je coupe mes Hop, je rince un petit peu ça. œufs. Toc. Parfait. Et donc là, moi, je vais mettre du coup les oignons et je fais quoi? Je les baigne directement dans de l'huile, dans du vinaigre, excuse-moi. Moi, j'aimerais bien montrer les œufs de mes poules, juste parce que j'en suis quoi là. Voilà. Du coup, alors, attends 2 secondes. Hop. Voilà, regarde, comme un vrai Mauricien en 2000 lamelles. Alors là. Et du coup, tu vas les mettre. Ouais, tu vas juste les arroser en fait de vinaigre. D'ailleurs, Ouais. c'est un petit conseil. C'est beaucoup les Anglais en fait qui font ça. Mais vraiment, Ouais, le laisser. pickle. Ouais, voilà, laisser enfin, un peu en mode pickles, tu vois. Et c'est mieux, je trouve, de laisser mariner les oignons avant de mettre même dans un sandwich ou dans une salade ou quoi. Parce que, en fait, ça les pré-cuit un petit peu et ça enlève le côté un petit peu trop piquant de l'oignon, je trouve. Ok, et regardez. Oh, là, ils sont là, c'est parfait. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est Là. bon. Moi, je vais Ça, faire c'est ça. bon. Moi aussi, Moi, ça tout va être est bon. en Là, place dans 2 minutes, ici. ça va être bon. Les Oui. gens, regarde ce qu'a dit Dimitri. Elle vend super bien son île, Christelle. Ah, bah Carrément. alors, Dimitri, et si c'est bien le même Dimitri,
En fait, il m'avait dit que oh, ce matin, il devait être sur Téléfoot à 11h, mais que pour moi, il serait là. Il serait là. Ah, d'accord. OK, bon. OK. On t'écoute pour le reste, alors, ma petite Christelle. Alors, oui, donc, alors maintenant, on va pouvoir attaquer, du coup, bah, vu que toi, tu as de l'avance, on va faire la maillot. Ouais. Voilà, on va faire la maillot. Donc, pour la maillot, ça va être très simple. Alors, j'ai préparé le mixeur pour Jean. Alors, explique-nous ta manière de faire la maillot, alors, parce que moi, j'ai ça. Je vais baisser un peu la caméra, là, du coup. Alors, surtout que, en fait, pourquoi je fais la maillot de cette façon ? C'est parce que chez moi, je ne sais pas pourquoi, ils n'aiment pas le goût de la maillot classique. D'accord. Et du coup, bah, en fait, mon challenge à chaque fois, c'est de leur faire aimer des choses qu'ils n'aiment pas. Ok. Voilà. Le seul truc que je n'ai pas réussi, c'est l'agneau, parce qu'ils sont vraiment… le goût de l'agneau ne passe pas. Ouais, l'agneau, généralement, soit tu adores, soit tu détestes. Il n'y a pas d'entre-deux. Non, il n'y a pas d'entre-deux, tu vois. Et alors, du coup, là, est-ce que vous voyez bien, là ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Regarde, je suis avec toi, je le fais en direct. Donc, hein. Là, j'ai 25 centilitres d'huile, mais il faut que ça soit une huile neutre, végétale, huile de tournesol, huile de colza, enfin vraiment une huile neutre. Pas d'huile d'olive, parce que sinon, ça va être amer. Voilà. Donc voilà. Moi, je prends de la moutarde au miel parce qu'elle est vraiment, elle a vraiment un goût super doux. Et, Alors, je vais en prendre. Ah, moi, je vais prendre de la moutarde de Dijon normale, quoi. Ouais, mais c'est pas grave, hein, après. Oui, c'est pas grave, on t'excuse, Rafa. Alors, du coup, je vais mettre une bonne cuillère de moutarde. Ça. Alors, moi, j'ai une petite cuillère, donc là, j'en mets deux. Je crois que j'avais, dans ma recette, j'avais mis une cuillère à soupe, non ? C'est pas ça ? Je ne sais plus exactement, mais on va te suivre, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je vais mettre un œuf. Entier, n'importe quoi. Oui, entier. Merci. Alors, c'est pratique par rapport à la moutarde que vous connaissez, à la mayonnaise que vous connaissez, parce que normalement, la mayonnaise, c'est que le jaune et pas le blanc. Là, en fait, on met l'œuf entier. Oui. Alors, du coup, moi, en plus, j'ai rajouté des petites coquilles d'huîtres à mes poules. Alors, l'œuf, il est assez dur actuellement. Voilà. Je mets… Et ensuite, je vais mettre un peu d'ail en semoule. OK. Bon, ça, c'est voilà. La base. Je vais… alors, j'avais mis jus de citron. Oui. Mais en fait, on peut mettre jus de citron ou du vinaigre aussi, en fait. Okay. Voilà. Bon, moi, c'était une demi-cuillère à café. Voilà, hop. Voilà, bon. C'est un filet de vinaigre, du coup, de cérès. Ouais. Ensuite, ben, sel, poivre. Donc là, moi, j'ai de la fleur de sel, donc je vais mettre la fleur de sel. Moi, j'ai du sel normal. Bam. Voilà, du poivre. Et en fait, je sens que je vais rajouter juste un petit peu de moutarde, parce que j'aime bien. Et en fait, j'ai pris une toute petite cuillère, donc voilà. Bon, moi, j'ai pris une grosse cuillère à soupe à peu près. Donc, c'est bon. Et là, on va plonger et on va vraiment d'abord mixer le fond. Et tant que le fond n'est pas épais, on ne remontera pas le mixeur. D'accord. Parce que sinon, ça va rester liquide. À quelle vitesse, fort ou pas ? Ouais, ouais. Merci. Désolé pour les oreilles, ça ne va pas être très agréable sur eux. Ouais, ça ne va pas être très agréable. Là, je ne sais pas si Rafa, toi, au fond, c'est épais. Ouais. Donc là, tu vas remonter progressivement vers le haut pour prendre le reste de l'huile. Voilà. Et 2 minutes top chrono. Hein. Ouais, et alors du coup, je vais vous montrer hein, quand même. Hein, voilà, la maillot. Pareil. Et de base, en fait, moi, j'utilise la même pour justement les fondues bourguignonnes. Quand je veux faire ma sauce au curry, je n'achète plus de sauce au curry. Je fais le masala de chez moi de Lynn Morris. Je fais vraiment ma sauce au curry. Pareil, la sauce au poivre, je ne l'achète plus.
Ouais. Donc, tu rajoutes juste des choses à partir de ça, hein. C'est ça, je mets du coup du poivre et le truc, c'est en plus, c'est le fond de veau OK. et qui donne vraiment le goût et du vinaigre et du coup, ça donne vraiment le goût de la sauce au poivre et toujours avec la même base. Magnifique. Voilà. On retrouve ces recettes sur ton Samouraï, blog. sriracha, ça, nickel. Donc en fait, vous, moi du coup, les sauces, en vrai, j'en achète plus. Hein. Moi, j'avais vu cette technique-là sur le YouTube de Chef Michel Dumas, où il appelle ça l'appareil magique, mais c'est vrai que c'est vraiment magique de faire comme ça. Coup, je vais prendre une Maryse. Toc. Voilà. Et du coup, cette mayo, ben, franchement, quand je la fais en général à la maison, enfin, ils adorent quoi, quand je fais des, même des frites maison ou quoi. Ouais, super. Super. Elle est là. Alors, d'ailleurs, on va pas tout utiliser, on va regarder un petit peu parce que Ouais. à l'île Maurice, on aime bien en fait avec les grillades, notamment avec l'agneau, en fait, mettre un petit peu de mayonnaise aussi à côté. Alors, du coup, juste on me dit, la tienne, elle est blanche, Rafa. Ouais, elle est blanche. Bah, ça dépend tout simplement aussi de la quantité de moutarde que tu as mis. Et puis voilà. Puis de la couleur de l'œuf, hein. Oui. Parce Alors que. normalement, ils sont presque orangés, ceux de mes poules. Mais là, oui, c'est vrai qu'elle est un peu plus blanche, comme ça. OK, Ouais. bon, ben parfait. Alors, Alors, là, allez, on va mettre un petit peu dans le fond avec les jaunes d'œufs. je mets mes jaunes d'œufs ici. Ouais, voilà. Et en fait, tu vas prendre une partie de la mayonnaise que tu veux mettre avec, comme pour mimosa, les œufs mimosa. Ok, je mets quoi, la moitié à peu près? Ouais, à peu près. Et tu Ok. vas écraser après la fourchette. Moi, je fais tout à la marine comme ça. Ok. Voilà. Nickel, là. Bon, moi, en fait, comme je disais, je suis à cause de mes œufs, je me suis mise en retard. Donc, je vais vite. Et je fais quoi? Je rajoute les blancs après, c'est ça? Non, tu vas rajouter tes légumes et ensuite tu vas rajouter tes oignons. D'ailleurs, tu peux rajouter tes oignons, toi, parce que vu qu'ils sont faits. Bah, je rajoute mes oignons directement. Est-ce que tu peux juste en goûter un et me dire si genre ça te sent bien au niveau du goût, en fait? Ah, on sent bien le vinaigre, ouais. 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 Ah oui, non, on sent bien le vinaigre. Voilà. Donc tu vois, là, moi j'ai coupé mes œufs. Voilà. Et puis du coup, donc tu peux mettre tes oignons. Moi, je vais couper mes oignons là. Ok, j'ai rajouté les oignons là. Juste un petit bout. On voit bien. C'est une mayo américaine que j'ai fait, pourtant, j'ai pas ouvert le pot, hein. Vous avez vu, je l'ai fait devant vous. Hein. J'ai pas ouvert une Hellmann's, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'était ça aussi le deal pour moi, c'était d'arrêter d'acheter des trucs comme ça en fait Ouais. et de me De dire faire bah, le en bon. 2 minutes en fait je suis capable de faire un truc sans conservateur, sans juste avec des ingrédients simples en fait, tu vois. Et en plus de tes poules. Bah oui, voilà. Bon, super. Voilà, du coup, moi, les oignons, ça y est. Aussi, donc je vais les mettre dans l'huile. On va faire un tour juste pour voir les ingrédients du coup. La salade russe mauricienne. Donc, il y a deux grosses pommes de terre qu'on a fait, les deux carottes épluchées qu'on a fait, les deux betteraves, les 6 œufs qu'on a fait, l'oignon qu'on a fait dans le vinaigre blanc. Il manque huile d'olive, fleur de sel, poivre du moulin. Et on vient de faire la mayo magique avec un œuf, une demi-cuillère à café de jus de citron, une cuillère à café de moutarde de miel, une pincée de sel, 25 centilitres d'huile. Et on a mixé le tout pour refaire un point sur les différents ingrédients. Voilà. Alors, du coup, toi, là, dans ta mayo, tu as mis quoi? Dans ton mélange jaune d'œuf et t'as mis quoi, là? J'ai mis jaune d'œuf, mayo, oignon rouge. Ok. Moi, du coup, les oignons rouges, juste le temps de les faire mariner un petit peu, je les mettrai après, mais c'est le même. Je mets mes légumes. Ouais. Et les blancs, tout sera quand? Bah, après, voilà, en même temps. Ok. Je suis impatient.
Voilà. Voilà. Et on les met et ici. On remue. Là, ça. Là, c'est la vraie anne mauricienne. Ah oui, là, aujourd'hui, Rafa, j'ai décidé de m'adapter, tu vois, parce que moi, si vous allez regarder mes photos, vous allez voir, c'est toujours bien léché, bien ouais, mais là, c'est différent. Je suis la vraie. Et je rajoute la deuxième partie de la maillot ou pas, là? Non. En fait, tu vas garder la maillot que tu vas mettre dans un petit récipient à côté pour manger avec l'agneau. D'accord, ok. Bah, je pense qu'il va manquer un peu le truc, je vais en mettre un petit peu plus. Je pense qu'il va me manquer de maillot, alors. Ok, on mélange bien tout ça. Ah ben, bah, moi, c'est bizarre, en fait. Alors, peut-être que je n'ai pas mis non plus autant. Parce qu'après, je vais pas... Avec l'agneau, je ne vais pas, peut-être pas mettre... peut-être pas manger beaucoup de maillot non plus. Hein, Voilà. Ok, parfait. Ouais. Donc là, après, tu peux aussi... Généralement... Ah non, c'est bon, en fait. Hein, en maillot, non, je pensais qu'il manquait, mais ça va être très bien, là. Et donc, pour donner un petit peu plus de... Un petit côté vinaigré à la salade, donc voilà, je vais mettre mes oignons. Mais on peut aussi, du coup, rajouter un filet d'huile. Ouais. Et du vinaigre ou du jus de citron. Ok. Voilà. Et moi, je vais resaler un petit peu et puis voilà. Tac. Ça, c'est bon. Avec quel vin accompagner ce plat? Est-ce que vous buvez du vin? Comment ça se passe? Ah, moi, je te dirais, prends la bouteille de bière. Hein. Beaucoup de bière à l'île Maurice? Oui. Ah, ok, c'est bien de savoir. C'est quoi la marque? En fait, si on veut du vin, c'est du vin qui vient d'Afrique du Sud ou du vin français, mais ça a un prix, tu vois. Ou alors du vin d'Amérique du Sud, du vin australien. C'est pas d'accès comme ici, quoi. Non. Et voilà, regarde, Christelle. Alors, mon mari crie de là-haut, Beaujolais village. Ah, Côte du Rhône village. Voilà. Oh, non, t'as engueulé. Merci, Fabrice. Regarde. Fabrice, tu valides ou pas? Ouais. Il est là-haut, il ne voit pas. Ou il regarde. D'accord. Je il sais entend. Pas. Il a dit oui, top. Super. Et donc, la maillot qui reste ici. Voilà. Allez. Donc, ça, c'est fait. Donc, vous pouvez la mettre au frais en attendant, hein, parce que elle est bonne quand justement elle est fraîche. Ouais. Ouais, super. Voilà. Et puis, j'aime bien aussi finir par une petite touche de vert avec un petit peu de persil, tu vois. D'oignon, c'est bête, par exemple. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, c'est nickel. Ah. Ok. Super. Bon, moi je vais virer. Alors, non, je suis trop content. Ça va être bon, ça. Un Shira. Oui, regarde, ils me disent un Shira. Merci Grégory pour ça. Ce serait super bon. Ouais, les vins sud-africains sont hyper bons. Moi j'en avais goûté en Namibie et j'avais adoré ça. Un Shira, justement, qui était super bon. Ok, donc voilà, on a notre salade ici qui est faite. Notre filet d'agneau. Qui sont ici? Alors, attends, je vais la mettre au frais. Ça sent bon, hein, mon Dieu. Et miel, cannelle, menthe et agneau. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Ça, c'est hyper, hyper bon. OK. Notre agneau qui est ici. Et du coup, on fait quoi? On va à la cuisson ou on s'occupe de notre pain à l'ail? On s'occupe du pain à l'ail. OK. Parce que comme l'ail... Au final, de pas engueuler. Enfin, je suis sympa, moi. Hein. Je veux pas t'engueuler. Hein. Non, mais je t'ai dit, hein, je suis ton élève aujourd'hui. Donc, oui, moi, je suis une bonne prof. D'ailleurs, juste à titre informatif, je fais des ateliers culinaires, en fait. Donc, une fois par mois, voilà. Ouais. Où je reçois en fait des petits groupes de personnes pour leur apprendre en fait la cuisine de chez moi. D'accord.
Voilà. Et donc, c'est quoi? C'est t'aimer ou on peut retrouver ces infos? Vas-y, fais ta pub. Moi, je vais juste allumer le barbecue. Fais ta pub. Regarde, je te laisse la communauté. D'accord. Bon, bah, tu me laisses. Du coup, oui, je fais donc il y a une page sur mon blog, les ateliers culinaires, donc avec le planning, etc. Donc, vous pouvez tout retrouver. J'ai aussi sorti un e-book, donc un livre digital de 190 pages. Qui est accessible sur le blog qui s'appelle Les incontournables de la cuisine mauricienne pour vraiment découvrir la culture, les spécialités, de comment on mange là-bas, etc. Et il y a un petit lexique même que j'ai créé franco-créole pour vous apprendre en fait un petit peu les termes, etc. de comment on dit les choses là-bas. Ah, super. Et donc il fait 190 pages et il y a 59 recettes. Waouh! Et on retrouve la salade russe ou pas? Non. Ah, donc j'ai parlé des incontournables de la cuisine mauricienne. La salade russe, c'est pas un incontournable, c'est-à-dire quand on va là-bas, c'est surtout quand on va là-bas. Qu'est-ce qu'il faut que tu manges, toi, Rafa? Ouais. Si tu veux, toi, tu vas en vacances là-bas. Ouais. Tu dis, tiens, j'aimerais bien tester des trucs. Et en fait, avec ce précis, tu vas vraiment savoir quoi manger. Voilà. Et là, on est vraiment sur le live du barbecue mauricien. C'est-à-dire qu'on va à l'île Maurice, qu'est-ce qu'on mange à ce moment-là? Allez, parle-nous un peu de ton pain live, là, alors. Alors, attends, il y a un peu de bruit parce qu'il y a monsieur qui va mettre le barbecue. Super, Fabrice. C'est ça qu'on aime voir. Lui, c'est un fan. Hein. Il like et tout. Vous voyez, c'est comme ça. Après, à la fin, j'aurais une question à te poser. Oh mince, facile hein, la question. Toujours. Ah, c'est bon. Allez. Ouais, alors, du coup, le pain à l'ail. Donc, moi, j'ai eu un petit accident ce matin. Ah, donc, mince. Je vous raconter. Mais non, mais il n'y a rien de grave. Hein. C'est que, vu que je gérais mon fils, je faisais les cookies et tout, c'est un petit accident qui va être bénéfique, du coup, pour le live. C'est que je devais avoir du beurre mou, donc je le mets au micro-ondes juste pour qu'il soit mou et au final, il était liquide. D'accord. Et au final, je l'ai laissé durcir et ça me fait un beurre mou pour le pain à l'ail. Alors, en parlant de ça, quand j'ai fait un barbecue avec un ami sud-africain, donc qui s'appelle Cobus Botta, ils font des braai broki, ils appellent ça. Ce sont des espèces de sandwichs. Et ils mettent, en fait, ils prennent un plat comme ça, et ils vont mettre le beurre dedans, ils vont le mettre au barbecue. Et j'avais déjà fait cette recette dans le Reuben sandwich avec de la choucroute et tout dedans. Et ensuite, ils prennent les tranches de pain de mie, ils les snackent dedans, ils les mettent dans une grille et ils les font comme ça. On peut faire comme ça aussi. Écoute, moi, je vais faire voir ma version de pain à l'ail et toi la tienne. Et comme ça, vous aurez deux versions différentes. Vous allez voir. Mais je trouve que c'est génial. De toute façon, moi, je suis hyper ouverte. Je change tout le temps mes recettes. Voilà, c'est pas génial. OK. Alors, regardez, moi, je vais vous faire voir la version Rafa, mais avec les ingrédients de Christelle. Donc, on a pris 175 grammes de beurre. On va mettre… Du coup, moi, je vais gousse d'ail, c'est marqué, c'est bien ça, hein, Christelle. Ouais, mais une gousse d'ail ou comme je disais, de l'ail en semoule. Ok. Moi, je vais faire deux gousses d'ail. Moi, je vais mettre de l'ail en semoule, du coup. Hop. Fabrice, le roi du barbecue, bien sûr. Bien sûr, il allume, là, tu vois, midi, pile poil. Il est bien cet homme-là. En fait, je t'explique, hein, quand t'as un enfant de 3 ans, t'es obligé d'être à l'heure pour manger, sinon ça piaille, ça crie, ça. T'es obligé d'avoir... Le mien, il a 6 mois, donc ça va encore. Allez, du coup, ici, alors... regarde, je coupe la ciboulette que t'as dit. Yep, moi aussi. Je mets tout ça dans le plat. Voilà. Et on se rejoint à l'extérieur. Regardez, hop, je vais activer mon barbecue et on se rejoint là-bas directement. Exactement. Et je vais tout vous expliquer. Mais en fait, tu m'as laissé toute seule. D'accord. Bon, du coup, moi, je suis encore à l'extérieur. Non, pas du tout. Je suis là. C'est bien, quoi. Je mets ici à chauffer directement. D'accord. Donc, toi, c'est ta technique, du coup. Oui, exactement. Exactement. Donc voilà, là ça va chauffer
Et ensuite, hop, je prends du pain et on se rejoint là-bas directement, Christelle. D'accord, on se rejoint là-bas. Ça, c'est bon. Bien sûr, hein. Oui, oui. Dans les mesures, dans le respect des mesures. C'est ça. Geste de barrière, etc. Geste de barrière, masque et compagnie. Hein. Voilà. Tac, je suis ici. Tu m'entends, tu me vois? Non, tu me vois pas, mais tu m'entends. Non, je te vois. C'est parfait. Je vois mes pères aussi. Hein, voilà, on est à 250 degrés, ça va pas mettre longtemps à chauffer. Alors, parle-nous un petit peu de toi, de ta manière de faire le pain à l'ail. Alors, on t'écoute. Alors, du coup, bah, moi, tu vois, j'ai des souvenirs aussi de ces pains à l'ail, des baguettes. C'est des baguettes, en fait, de base, ou du pain de mie. Qu'on faisait, on tartinait les morceaux de pain, ensuite on les enfermait dans du papier alu et on les mettait sur le barbecue en même temps justement que la viande cuit. Et en fait, c'était super bon. Et voilà, comme je disais, ma recette évolue au fil des années. Ouais. Donc par exemple, donc là, initialement en fait, je ne mettais que de la ciboulette, mais maintenant je mets aussi un peu de persil parce que je trouve que c'est bon. Et puis, je suis une fan du beurre d'escargot. Ah, ok. Je suis une fan du beurre d'escargot. Voilà, parfait. Alors, là, vous me voyez bien, hein, normalement, parce que moi, je ne vous vois pas trop avec le reflet du soleil. Voilà. Et en fait, je vais un peu saler. Et je vais aussi, enfin, saler, poivrer et saler. Moi, j'ai mis du beurre demi-sel déjà. D'accord, super. Alors, regardez. Christelle, dis-moi, on voit bien là normalement. Alors, attends, je vais remettre la caméra ici. Je reviens. Attends. Voilà, on va tout faire. Là, je vais mélanger mon beurre, du coup, qui était mou, avec le reste. Regarde, Christelle, nous, la recette qu'on faisait avec Cobus, c'est qu'on prenait une grille comme ça. Voilà. Ouais. On prend une ou deux tranches de pain qu'on met directement dans le plat ici avec le beurre à l'ail. Hop, voilà, juste comme ça. On met ça là. Oh, c'est génial. Un autre. On met ça là. Voilà. Ensuite, bon, ça, on va le sortir, on va le mettre sur le côté. Et on peut mettre directement sur la grille. Alors, nous, on faisait des sandwichs. Donc, du coup, les sandwichs, j'avais besoin de les retourner. Là, si tu n'as pas besoin de les retourner, voilà, tu mets ça comme ça. Voilà. Et après, tu fais de l'autre côté. Voilà. Ok, bah super. C'est vraiment une chouette technique, hein, je trouve. Hein. Moi, après, j'ai pas le même barbecue que toi, j'ai pas le même standing de barbecue, donc. Regardez les marques qu'il y a. Ça va être super. Attends, je prends une assiette, je reviens. Ah là là. Voilà. Et tu vois, juste on fait comme ça. Voilà. Et vous voyez comment c'est beau là? Super. Hein, c'est beau. C'est très, voilà, beau. Et on peut les laisser plus ou moins griller, donc c'est toujours pareil. Hein. On va prendre une tranche, on la met, et on fait griller. Oh, là, il y a une belle flamme. Pareil ici. On retourne. Voilà. Et donc, on va en faire plusieurs comme ça. Et donc, ça, bah, même pour toaster le matin, c'est super. On va s'occuper de nos petites côtelettes aussi, peut-être, parce que là, on fait griller. Ouais, c'est pas mal. Moi, là, tu vois, j'ai quasiment fini de tartiner, là, mais bon, pas à l'ail. Je vais sortir mes côtelettes aussi. Puis, on va pouvoir mettre tout ça à cuire. Hein. OK. Alors, hop, on fait cuire ici. Donc, il y a du feu, c'est normal, parce qu'il y a un corps gras. Voilà. On mélange bien. Bon, en tout cas, Rafa, tu m'as donné envie de reprendre ma chaîne YouTube. Hein. Ah. Parce que tu en avais déjà lancé une, c'est ça? Raconte-nous un peu. Ah si, j'en ai lancé une il y a longtemps, en fait. Je me souviens même plus, tu vois, en 2017, je crois. Ouais. Et je crois que j'ai plus que 6 000 abonnés, tu vois. Je fais rien.
Et en fait, comme je suis trop perfectionniste, et eh bien en fait, à chaque fois que je faisais une vidéo, j'étais pas contente. Et du coup, là, je me dis, en fait, je m'en fiche, j'ai juste envie de partager mes recettes, tu vois. Mais oui, t'as un vrai savoir-faire, fais le savoir. Voilà. Et du coup, tu m'as donné clairement envie, et surtout les lives, j'adore ça. Ben oui, regarde, c'est cool, on est dehors, on cuisine, on est tranquille, c'est nickel comme ça. C'est super. Voilà. Donc, les pains à l'ail. Alors, vous voyez, ça, c'est une technique aussi le matin pour faire griller vos tartines. Vous pouvez faire comme ça. Donc, ah, bon. Mais toi, tu fais vraiment tout au barbecue, hein, t'es... Ah bah oui, c'est ma cuisine d'extérieur, voilà. Ouais, ouais. Voilà. Moi aussi, je fais cuisine extérieure, mais c'est vrai que... Tout est comme ça. Mais les gens le savent, donc c'est pas grave. Allez, et puis là, du coup, je vais pouvoir faire griller mes petites côtelettes, là. Donc, allez, ma dernière tranche de pain. Et comme je vais sortir la viande. Christelle, je suis partie pour les faire griller. Hein. Ouais, je pars aussi, là, t'inquiète. Ok. Voilà, et on entend le bruit. Vous entendez bien, là, normalement. Ah, bah écoute, nous, chez nous, c'est parfait parce qu'on n'a pas le même barbecue. Donc, on va te regarder, en fait. Voilà. Moi, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais emballer mon pain. Allez, fais voir aux gens comment tu fais. Mais il faut bien l'emballer parce que ça crame très vite. En tout cas, avec un barbecue classique comme j'ai, tu vois. Ça y est, là, le pain à l'ail, super. Je vais prendre une petite photo d'ailleurs que je vais Instagrammer. Vas-y, gère la story, moi je gère la cuisson. Ok, d'accord. Bah attends, je te gère en story. Et moi je vais prendre une photo. Donc je remets le pain dans le beurre comme ça. Non, moi je prends du papier à vue comme ça. Et en fait, je vais poser. Non, j'ai même envie de dire, on peut superposer le pain. Comme ça, même le bas du pain sera imprégné en fait. Du beurre en dessous et là, je vais tout superposer. Voilà, nickel. On ferme pour la cuisson, mais là, ça va pas être trop long normalement. Super. Allez, pendant que ça cuit, ça, je vais voir s'il y a des petits commentaires. Hop, je vais fermer. Coucou, me revoilà. Du coup, ah oui, la régie, vous avez vu sur quel barbecue, du coup, je fais sur le Weber Gaz E435, hein, comme ça, c'est plus facile. Salut Christelle, salut Rafa. Les yeux louches quand il y a trois images. Ouais, c'est bien marqué. Donc là, c'est bon. Du coup, vas-y. En fait, moi je suis opérationnelle, mais il n'y a que le barbecue qui n'est pas chez moi. Bah, c'est Fabrice, ça, c'est la partie de Fabrice. Voilà. Bah, c'est-à-dire que Fabrice, il a voulu nous soutenir et du coup, il a regardé le live et après. C'est parfait. Donc, alors, je vais retourner un petit peu. Je vais prendre un. Voilà, hop. Pour mettre un petit peu là. Ah ouais, parce que du coup, moi, j'ai des petits morceaux aussi à mettre en. Il est là, Fabrice ? Il est dehors, du coup, il est en train bon, de. C'est quoi sa question là ? Sa question ? Je sais pas quelle est sa question en fait. Je vais vous laisser en tête à tête. Oui, il alors... alors, du coup, comme j'expliquais, moi, j'ai découpé du gigot là. Et du coup, je vais en profiter pour le mettre comme ça sur un pic. Ok, fais-nous voir. J'ai pas enlevé le gras parce que bah justement, un barbecue, ça va griller et ça va être super bon en fait. Ah, de fou. Parce que pour le coup, ici, il déteste, mais moi, j'adore l'agneau. Voilà. Ah, oui. Ah chérie, il cherche ta j'ai question. J'ai entendu pour la session. Ah bah oui, mais il suit le live. Ouais, rapport en fait. Oui. La question, c'était comment faire pour garder une grille de barbecue non rouillée. Parce que c'est d'accord.
que j'ai tous les ans ou est-ce que c'est la qualité des grilles qui sont pas extraordinaires? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des grilles qui sont juste en acier. Alors, le vrai, il faut que je choisisse la vraie ou la fausse chose. Tu m'entends? Oui. Oui, je t'entends. Il a le live dans sa poche. Ah, d'accord. Alors, y a deux choses. La première, c'est si c'est en acier. Donc, sur les barbecues haut de gamme, c'est de l'acier inoxydable. Donc, on ne se pose pas la question. Si c'est de l'acier un petit peu plus bas de gamme, en fait, quand la grille est chaude comme ça, alors soit tu sais que tu es en pleine saison, et du coup tu vas il faut pas vraiment la nettoyer, comme ça le gras qui est dessus, comme le chaud a dilaté les pores, hein, que ce soit pour une grille en acier qui n'est pas inox ou en fonte, le chaud va dilater les pores avec le gras, vous voyez, donc là du beurre, de l'agneau, etc. En refroidissant, et ben du coup si tu nettoies pas tout de suite ta grille, et ben l'huile va venir créer une couche, va cautériser avec la grille qui est en acier ou en fonte, et du coup ça va faire que l'eau ne pénétrera pas et elle ne rouillera pas. Donc en fait la vraie truc, c'est ne nettoie pas à fond à la fin d'un barbecue. Par contre, quand tu utilises le barbecue la fois d'après, tu montes bien en température, ça brûle toutes les dernières graisses, et ensuite tu as juste à passer un coup de brosse, par exemple. Donc comme ça, c'est vraiment la plus simple. Okay, après, après la grille, si tu n'utilises pas tout le temps. Voilà. D'accord, merci Rafa. Donc, la vraie réponse, c'est il faut bien la nettoyer. Non, ça, c'est la fausse réponse. Et la vraie réponse, c'est en fait, voilà, laisse un petit peu de gras parfois sur ta grille. C'est ce qui va la protéger, parce que c'est de l'huile. Voilà. D'accord. Là, je finis de monter la pochette. Bon, petit truc quand même. Le jour où tu essaieras, Rafa, la mayonnaise avec la moutarde au miel, tu ne voudras plus en manger d'autres, tellement c'est d'une finesse et d'un léger sucré extraordinaire. Ah, mais génial. Mais tu sais qu'en plus, moi, j'habite juste à côté de Meaux, c'est le pays de la moutarde. Hein, donc, on testera comme ça. J'avoue que j'arrive pas à manger d'autres après. Et regarde, moi, j'ai le côté plancha, donc pour augmenter la surface de contact pour le côté grillé. Top. Voilà. Ah non, on n'a pas ça. Nous, on est des amateurs, nous. Hein. Comment? On est des amateurs. Ah. Non. Ouais, c'est vrai que j'ai pas créé un truc qui s'appelle le barbecue de Christelle, mais là tu dis Christelle. Le barbecue de Christelle.com. Alors, même si c'est une cuisine qui me plaît beaucoup, tu vois. Je suis à vous dans deux petites secondes. Du coup, je vais. Voilà. Donc, on cuit toujours couvercle fermé comme ça, hein, pour augmenter la température. Et regardez, voilà, celle-ci est cuite, elle est parfaite. Oh là là, ça a l'air super bon. Regardez, celle-ci aussi, super. Voilà, là, ça manque encore un petit peu et celle-ci est cuite aussi. Voilà, vous voyez là? Et du coup, toi, l'agneau, tu le manges comment? Est-ce que tu aimes bien quand ce soit rosé à l'intérieur? Ah oui, moi, c'est rosé. Hein. Ok, c'est rosé. Parce qu'à l'île Maurice, tout est très cuit en fait. Tout est très cuit. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, ils mangent tout ce qui est viande et tout. C'est pas viande rouge, tu vois. Ouais. C'est même pas le rosé. Et dans pas mal de pays, en fait, c'est comme ça. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Attends, je passe de l'autre côté. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que, en fait, c'est assez typiquement français. Parce que quand tu demandes, même aux États-Unis, une viande saignante ou quoi, oh là là, pas du tout. Hein. On est hyper loin de tout ça. Ouais. Voilà. Du coup, on nous dit, Rafa, on t'entend un peu de loin, mais c'est bon. Ok, ok, parfait. Bon, bah regardez, on va refaire un petit tour des différentes recettes. Je vais vous les faire voir ici. Écoute, moi, c'est bon aussi. J'espère que le barbecue est. Voilà, moi, je vais me laver les mains entre deux. Hein. Hop, attends, ici, voilà. Ici. Alors, vous voyez là les côtes. Les côtes d'agneau qui sont hyper bien grillées, ça c'est vraiment magnifique. Donc pour ça, il faut vraiment une grille qui soit très 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 chaude. Hein. N'hésitez pas à laisser un petit peu plus longtemps. Voilà, on a la salade russe juste ici.
Regardez, c'est un mélange de couleurs. Donc là, on a du violet, on a le rouge de l'oignon, on a la couleur de la maillot, le blanc de l'œuf, l'orange de la carotte. C'est super beau. Voilà, comme ça. Là, on voit bien. Normalement. Voilà. Attends, je vais montrer la main. Super. Et la dernière chose, le pain à l'ail. Ici. Super. Nickel. Alors, attends, je vais faire attention au barbecue et je reviens avec toi. Bah alors, moi, avant quand même de... Parce que je vais faire une photo, mais du coup, je t'assure, je vais retravailler le visuel. Si tu m'entendras pas. Voilà, bon bah super. Alors toi, du coup, tu les as mis en brochette, hein, Christelle ? Ah non, mais alors, moi, j'ai tout. Ah. Moi, j'ai tout. J'ai ça... Ouais. J'ai tout moi. Génial. Allez. Normalement, ce que l'on fait dans l'ensemble de mes vidéos, c'est que je vais goûter. Alors, je vais goûter juste la marinade ici. On sent bien la cannelle et avec la menthe. C'est vraiment super super bon comme ça. Je trouve qu'à chaque fois, il y a plusieurs fois où je me fais la réflexion où la cannelle, ça fait tout de suite penser à je sais pas, à Thanksgiving, à l'automne, à l'hiver, les petits gâteaux, pain d'épices et tout ça. Mais même l'été, c'est bon. C'est vrai ou pas ? Bah en fait, oui, ça dépend des pays parce que moi, la cannelle, on utilise toute l'année. Enfin, à l'île Maurice, déjà, il n'y a pas l'automne, il n'y a pas l'hiver. Enfin, ouais, si, c'est y a ça, l'hiver, c'est ça, ça n'existe pas. Il y a pas l'hiver d'ici où tu vas prendre un vin chaud ou un truc comme ça, tu vois. Du coup, la cannelle, c'est vrai, on l'utilise beaucoup en salé. Ouais. Beaucoup avec l'agneau ou le bœuf. En tout cas, on met beaucoup de bâtons de cannelle, en fait. Ah ouais, super. Et après, du coup, ici, j'ai la petite salade. Alors, on va goûter. Ici. Cette mayonnaise, ma petite Christelle, ça marche du tonnerre. Hein. Regarde, j'y vais même comme ça. C'est vraiment très, très simple. Moi, je la fais toujours au batteur ici. Mais c'est vrai qu'avec l'appareil magique, ça fonctionne vraiment super bien. Donc, regarde, il y a même des gens, ça y est, le Québec se lève, regarde. Bonjour à vous deux, je viens tout juste de me lever car ici au Québec, il est 6h15 du matin, vous me donnez pas. Bonjour. Oui, Eric. Donc voilà, on est suivi partout. Écoute, merci, ma petite Christelle. C'était vraiment un live qui était super. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à envoyer plein de petits pouces en l'air, de cœur, si vous avez apprécié cette belle performance et belle recette aussi de Christelle. Et on va avoir droit à des super belles photos. J'ai l'impression là qu'elle est en train de nous faire des trucs. Ça réfléchit là-haut. Grave. Moi, ça va être très simple. On met dans l'assiette. De toute manière, mes testeurs, ils sont pas là pour le visuel. Ils sont là que pour le goût. Et c'est des viandards de dingue. Donc, t'en fais pas que chez nous, l'agneau, ça va partir de fou. Merci Christelle. Allez liker son Instagram, l'atelier de Christelle. Allez sur le blog. Prenez l'e-book aussi. Donc, 190 pages. Plein de recettes sur l'île Maurice, les meilleures choses à faire. Merci. Un mot de la fin alors pour toi, Christelle ? Ben moi, c'était vraiment un plaisir, Rafa. Je t'avouerai que j'ai pas beaucoup de personnes avec qui j'aimerais faire des lives, mais toi, t'es l'une des personnes, en fait, pour moi, qui était importante parce que tu es simple, tu es… Merci. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est important. C'est, tu vois, des gens qui réussissent et qui restent simples comme toi, tu vois, et j'adore. Ouais. Ah bah merci, oui, bah moi c'est vraiment par passion, hein, de toute manière, c'est toujours ce que je dis. Il y en a dans le monde d'avant qui allaient faire du foot le dimanche matin pendant 2 heures, bah voilà, moi ce que j'aime c'est cuisiner avec toi, avec vous tous comme ça. Donc voilà, les gens ont adoré, regarde, Christelle au top. Ah c'est gentil, merci beaucoup. Les petits cœurs, les petits pouces en l'air, voilà. Donc merci Christelle. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Bon appétit. Protégez-vous. Masque barrière, masque, geste barrière, tout ça. Faites attention à vous. Et on se retrouve, nous, donc tout au long de la semaine. Vendredi, la vidéo, ce sont des râbles de lapin fumés. Des râbles de lapin fumés, mais le lapin, normalement, c'est pas hyper sec. Ou alors les râbles de lapin, c'est pas à mijoter, etc. Non. Pas du tout. Vous allez voir comment faire et comment bien transformer son barbecue Weber au 5770 pour les puristes en fumoir avec le nombre de briquettes exact, comment faire, etc. Toi, c'est quoi l'actualité cette semaine sur tes différents réseaux sociaux ?
Alors, bonne question. On est quand là? Parce qu'en fait, j'ai un planning de malade. Moi, j'ai un planning aussi jour par jour. Faites-moi, tout est prévu à l'avance, des mois à l'avance, tu vois. Oh là là, moi, pas du tout. Moi, c'est à l'arrache. Hein. Nous, on fait ça. Non, mais en fait, là, je prépare une semaine en fait sur la cuisine mexicaine. Oh, super. Voilà, parce qu'il y a le début mai, il y aura El Cinco de Mayo, tu vois. El Cinco de Mayo, bien sûr. Voilà, et moi, pour la petite histoire, de base, j'ai étudié l'espagnol, l'anglais. Ah, bien. Et mes amis, en fait, j'ai pas d'ami mexicain. Ok. Et du coup, c'est quelque chose que j'aimerais faire connaître aussi sur mes réseaux. C'est ça, en fait. Je suis mauricienne, mais je reste ouverte quand même sur les autres cultures, les autres cuisines. Et en fait, voilà. Donc, je prépare ça, en fait. C'est... Ok. Bah, super ouverture d'esprit. Allez, merci tout le monde. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Ciao. Au revoir.